m'appelle Karim, Karim Ziad. Je suis né à Alger il y a 48 ans déjà. Et j'ai commencé la batterie à Alger. J'ai commencé mes premières classes en faisant des mariages, en essayant d'adapter donc des rythmes un peu traditionnels à la batterie pour faire danser les gens qui étaient habitués à écouter un certain rythme de musique traditionnelle. Voilà, et donc ça m'a emmené à approfondir la chose beaucoup plus tard. Si on compte le premier que j'ai fait avec Nguyen Lee, Maghreb and Friends, je crois que c'est le sixième. Donc il y a eu Maghreb and Friends avec Nguyen, il y a eu Ifrikia, il y a eu Shabiba, il y a eu Dawi, il y a eu Yobadi avec Hamid El Kasri, un grand maître de la musique gnawa. Et il y a ce jdid, le sixième, oui. Ce jdid qui veut dire le nouveau. J'ai eu envie de le faire parce que j'avais vraiment des choses à dire. J'avais besoin de faire ma musique vraiment pour apporter quelque chose à l'édifice. Ne pas juste être là en tant que musicien, à jouer que de la batterie, être batteur héros, je sais pas, être peut-être... Comme beaucoup de batteurs, c'est les meilleurs batteurs du monde. Mais en même temps, chacun se différencie avec sa musique. Et moi, j'essaye de... C'est vrai que je favorise beaucoup plus la musique à la batterie elle-même. Dans mes albums, il n'y a pas de chorus à chaque titre, tu vois. Il y en a un ou deux, voilà. Et c'est pas le plus important de mon langage, disons. Voilà, j'essaye de penser à un tout, la batterie dedans, comme les harmonies, comme les mélodies et tout ça. C'est beaucoup plus édifiant pour moi, ou comment je pourrais... ça me nourrit plus, voilà.